Amis clasheurs, bonjour, c'est Clash of Gold, j'espère que vous avez la forme, en tout cas pour ma part, ça va vraiment extrêmement bien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Une vidéo inédite qui n'a pas encore été faite, il me semble, dans la communauté FR. Dans cette vidéo, je vous ai rassemblé 10 extraits de vidéos de youtubeurs exclusivement francophones. Et je vous ai sélectionné 10 coffres. Et vous allez voir, c'est vraiment des coffres très bons. J'ai sélectionné les 10 meilleurs que j'ai trouvés, il me semblait, dans toutes les vidéos que j'ai vues depuis la sortie de Clash Royale. Donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. Comme ça, je pourrais faire une fois par mois tous les meilleurs openings qu'il y a eu sur le jeu. Donc franchement, n'hésitez pas à me montrer que vous aimez le projet par un petit pouce bleu ou bien par un commentaire qui dit « Oh, ben franchement, moi je trouve que le concept est bon, je veux un deuxième épisode entre maintenant et le mois prochain. » Enfin bref, moi je vous dis une très bonne vidéo, je vous souhaite vraiment de passer un super bon moment et je vous dis à très bientôt. Nous nous retrouvons à la 10e place avec David Kaklash. 5369 d'or, donc là c'est plutôt pas mal, on est sur un très très bon chiffre, on est quasiment au maximum. Alors, 23 cabanes de gobelins, on l'a pas encore passé au niveau supérieur, donc c'est plutôt intéressant, même si le deck Ut est plus très 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 joué actuellement, c'est vrai qu'on le voit plus trop dans les compos qui tournent pas mal. Ensuite, nous avons 237 squelettes, c'est énorme, je le joue, mais c'est plus pour... ouais bon allez, on va dire que c'est plutôt pas mal, mais bon, il y a des communes qui sont mieux. Ensuite, nous avons 286 fléchettes, donc ça fait plutôt plaisir. J'espère qu'on va avoir une légendaire à la fin de ce coffre. 286 fléchettes, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, nous avons 7 squelettes géants, donc ça, je suis plutôt content de ne pas en ouvrir plus. Nous avons 114 mini PK, donc il nous reste 2 cartes. Si on avait beaucoup d'épiques, ça pourrait présager une légendaire, donc c'est parti. On a 16 baby dragons, donc on va le up au niveau supérieur et il nous reste une carte. Là c'est chaud, j'espère clairement que c'est de la légendaire. Hop, et oui, on débloque le sorcier de glace. Donc c'est super, le petit screenshot qui va bien. Je vous le montre, le sorcier de glace qu'on vient de débloquer donc... Pour la 9ème place, nous retrouvons David de Toulon. Donc les amis, on commence par 4178 pièces d'or. Donc c'est déjà super bien. On se fait 110 gobelins. Donc je peux pratiquement les up, ça fait super super plaisir. Donc déjà là je suis super content, c'était la carte commune que je voulais. Après, on part sur 141 mortiers, donc là, ça fait vraiment plaisir aussi. Alors, ça, le géant royal, je le joue pas. Ouais, bon, pourquoi pas. 148, bon, franchement, pourquoi pas. Ah, je débloque le poison, par contre, ça fait plaisir. En plus, je peux le payer d'un level, donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on va espérer trouver du lourd. Alors là, par contre, en rare, la Valkyrie, je suis hyper déçu, je la joue pas du tout. Franchement, c'est un peu la loose. Allez les amis, oh, le truc de ouf, 13 presse ténébreux, là les amis je surkiffe, franchement c'est une carte que je voulais absolument, enfin, ça va me permettre de l'EP, d'ailleurs on va l'EP juste après. Et pour la dernière, elle est une petite légendaire les amis, on y croit à fond, on y croit à fond. Oh le truc de fou, oh le truc de fou les amis, c'est pas possible, le petit screen qui va bien, alors là oh, les amis je vous jure. Je vous jure, c'est enregistré en direct. À la 8ème place, c'est au tour de William COC. C'est parti tout de suite. On commence à ouvrir ce coffre, donc 4000 d'or, ce qui est plutôt pas mal. 24 canons, bon, c'est des cartes communes, on s'en fout. 33 plutôt. Hors de gargouille, c'est bien, j'aime bien. Oh non, mais c'est pas possible. Pourquoi il me donne tout le temps des mortiers? Putain, mais c'est de la merde, mortier. Ok, non, j'aime bien ça. Putain, en plus, juste avant le niveau 9, c'est cool. 105 U de gobelins, ok. 17 sorcières. Ok, bah je les avais que niveau 2, bah ok. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Princesse! Eh bah c'est hyper bien parce que voilà. Le truc c'est que je voulais même pas le mage, hein, je voulais la princesse. Donc putain, c'est énorme! Putain, comme c'est beau quand on la voit comme ça! Vas-y, je vais rester comme ça toute la vidéo. Je reste comme ça. À la 7ème place, nous accueillons Doc Jazzy. Je serai en fin de gameplay pour créer la surprise. Ouais, voilà. Après avoir posé un ou deux collecteurs d'élixir, je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait faire un bon renfort. Ah, ça, c'est sympa, ça. Donc, on verra bien après. Ah, ah la princesse. Là, voilà, la princesse. Un petit screen pour le souvenir. Et nous voici directement à la 6ème place avec Farce Attack. Allez, s'il vous plaît, une légendaire. 5300 pièces. 131 Tesla, oui monsieur. 20 boules de feu. Ouais, 34 ouais, bien. Roquettes. Bien, bien. 392 géants royaux. Ah non, ça c'est vrai. Il fallait bien que t'en aies dans le tas, ouais. 83 huttes de barbares. Il reste deux cartes.
maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi. Là, ça va être les épiques, là. Là, tu vas avoir de l'épique. Donnez-moi une légendaire, mince. Là, ça va être du rage. 23 baby dragons. Oh, énorme. Je suis à 35 sur 50. Waouh, t'as 23 baby dragons. Bah, mec, rien que ça, je pense que c'est beau. Waouh, 23 baby dragons. Oh, mec, tu t'es mis bien sur le baby dragon, là. Et attention. Tellement bien cette carte. Et le sorcier de glace. Non. Oh là là, le dernier coffre épique. C'est pas vrai. Pour la cinquième place, voici BFA. On voit ce que ça donne. Allez, un dernier gros. Hein. Allez, un dernier gros. On pète toute l'histoire. 30 chevaliers. Décidément, les chevaliers, c'est... Ah, fléchette, c'est bien. 51, ouais. Bomber, on se rapproche. On avance. Oh, hors de mignon aussi, on avance. C'est pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. Non, ça se passe pas très bien. Il reste deux cartes. Wouah, diffusion, squelette. Quoique. Et enfin, pour terminer, attention, émotion ou pas. Oh oui! Bingo! Oh, ça... Voici donc Mister Killer 42 pour la quatrième place. Magique. 634 or, 13 géants royales. Bon, clairement, les gars, j'ai pas eu trop de chance. Hein. Entre nous, c'était pas fameux. Je suis assez dégoûté. Surtout que le coffre a une valeur en fait de je dis pas de bêtises, une trentaine d'euros. Quoi. Le coffre, il est hyper, hyper cher. 3 princes ténébreux, ça c'est cool. Et. Est-ce que vous voyez ce que je vois, les gars? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Et oui, les gars, c'est la princesse. On l'a eu dans un magical chest. Ça commence à vraiment devenir chaud. Voici Wall Spirit encore, pour le pied du podium. Magic. Ça serait vraiment cool qu'on arrive à avoir enfin cette légendaire. Ça serait vraiment génial. J'espère vraiment l'obtenir dans ces pack opening qui est juste énorme. Donc là pour l'instant il n'y a rien vraiment de très intéressant que j'utilise. 294 archers, ça c'est vraiment énorme. 49 Valkyries que j'utilise absolument pas. 14 princes, ça c'est vraiment génial, je vais pouvoir les monter. Et est-ce qu'on a la légendaire? Allez, on croise les doigts, est-ce qu'on a la légendaire? Oui. Oh, c'est un truc de dingue. La légendaire. Pour cette médaille d'argent, nous accueillons Kerotin92. C'est un coffre magique et moi je dis, voilà, c'est le coffre de la légendaire. Allez, bah vas-y, alors, je te laisse ouvrir. J'y crois pas vraiment, mais voilà. 521 or, j'aurais préféré avoir un peu plus. Deux chevaucheurs de cochon, boum, je passe au niveau 5, donc ça c'est génial. 21 fléchettes, bon je les utilise plus du tout. 39 bombardiers que j'utilise pas vraiment. Encore un foudre, mais il faut arrêter avec cette carte, j'en veux plus, c'est tout. Un squelette géant, parfait, je pourrais le monter au niveau 3, donc ça c'est bien, parce que je le joue dans mon deck. 13 mousquetaires que j'utilise pas du tout, et une légendaire. Oh, une légendaire. T'es sérieux? Ouais, je suis vraiment sérieux, mec. Ce youtubeur a vraiment eu énormément de chance, et pour la première place, je crois qu'il l'a vraiment mérité amplement. Je dis place au Bouzeux Gaming. C'est pas évident, j'arrive pas du tout. Tu rushes le gars, en fait, là j'essaye vraiment de rester à Rennes 5. Pouvoir faire mes coffres à couronne. Truc que j'arrive pas, quoi. Ouah, ouah, ouah. Vous avez vu ça? Dans un coffre gratuit. Oh, je vois plus rien. Oh, je vois plus rien, les gars. Oh, je vais tomber dans les pommes. Oh, je vais tomber dans les pommes, les gars. J'ai un truc au cerveau. Je prends une photo. Je te l'ai.